Université l'État qui a ministère commerce lancé hier mardi un cher commerce et industrie un programme qui a implémenté dans deux entités dans l'Université l'État, faculté de droit, sciences économiques et puis INAGE, représentant deux principaux initiateurs ont exprimé la contentement pour nouveau programme ça qui visait encourager parmi l'autre recherche dans le domaine commerce et industrie. Initiative ça c'est à occasion pour deux institutions ça faire recherche pour identifier opportunités commerciales et faire promotion pour entrepreneuriat. Ministre Merslan, Ricardin Saint-Jean, recteur Université l'État, Fritz Desormes, c'est parmi les personnalités qui te prennent la parole dans l'occasion. Ça, en suivant un compte rendu avec Marc Stanley Léveillé. C'est une démarche des institutions pour une recherche avec la connaissance utile dans les pays à prendre route de développement. C'est une quoi différent initiateur. Cher commerce et industrie, c'est un programme des entités dans l'Université l'État, faculté de droit et sciences économiques et INAGE à piloter, capchita sous plusieurs points fondamentaux, directeur général ministère commerce et industrie, James Monazar a cité. Cette chaire s'établira sur trois grands axes qui sont la formation, les études et les recherches et la vulgarisation. Pour différents acteurs qui impliqués dans mettre sous pied programme ça, il est impossible pour penser croissance sans mettre accent sur commerce et industrie qui eux-mêmes doit fonctionner sous base bon gens recherche. C'est l'idée directeur général là pour justifier importance programme ça. James Monazar a cité comment ministère et université l'État pourra le matérialiser. Cher contribuera à l'identification d'opportunités commerciales et la promotion de l'entrepreneuriat. Les recherches menées par cette entité fourniront des informations précieuses aux décideurs politiques, particulièrement le ministère du Commerce, pour élaborer des politiques commerciales et industrielles plus efficaces. La chaire formera une nouvelle génération de leaders, d'entrepreneurs et de professionnels capables de gérer efficacement les défis économiques du pays et de contribuer à la croissance durable. Initiative ça pour réunir ensemble universitaires, entrepreneurs, chercheurs et différents acteurs dans la société civile là. Pour recteur Université l'État, c'est une manière pour faire l'université à tourner un bon partenaire secteur commerce et industrie. Fritz Desormes souligne tout, démarche ça a visé adapter formation universitaire à besoin société. L'a expliqué comment l'université a pral impliquer. La chaire dont nous procédons au lancement ce matin comprendra non seulement des aspects de formation classique, mais aussi de formation continue, de recherche, d'études, de conférences, de service à la communauté, ce qui permettra de développer des outils de formation, de sensibilisation et de recherche dans le domaine de l'économie digitale, de l'innovation technologique et autres domaines en rapport avec l'environnement des affaires en Haïti. Sous côté PAL, ministre commerce et industrie, Ricardin Saint-Jean Coué, cher commerce et industrie, a témoigné volonté d'institutions pour encourager initiative dans le domaine entrepreneuriat cap mette pays sur route développement. Le lancement ce matin de cette chaire est une preuve par quatre de la volonté de ces deux entités, en dépit du contexte difficile, de mettre la main à la pâte et l'épaule à la roue pour soutenir la recherche et réaliser des activités de sensibilisation sur de nouveaux concepts touchant le monde des affaires afin de trouver des solutions innovantes pour impulser le développement de ce secteur en Haïti. N'a pas souligné, nouveau programme s'il a lancé sous base yon nan quatre accords ministère économie et finance ak université l'État tessien depuis 19 d'août 2022. Marc Stanley Léveillé, Caraïbes FM.